Mais dans les petits villages un peu aux alentours de chez nous, un peu de partout, souvent il y a pas mal de gens qui habitent dans un coin et qui se disent tiens ici, chez moi. C'est chez moi ici, t'as vu, c'est chez moi. C'est pas vraiment chez toi, c'est plus chez moi, tu vois. Et ce qui est dommage, c'est qu'en général, les jolis lieux, ils les gardent pour eux. Alors ce soir, les jolis lieux, ben, on va les partager si vous voulez. Et puis on fera de même demain. Alors on y va, ça va toujours. Systématiquement, la réaction est celle qui privilégie l'argent, la supériorité et la haine. Historiquement, le constat est le même, la possession est la première. Bêtise humaine, c'est être pour avoir, posséder sans concéder, acquérir et ne devoir en aucun cas partager. À l'homme l'allégresse de voir son propre empire s'étendre, à l'homme toutes les richesses pour les voir réduire ensemble. C'est à mépriser ceux qui n'ont pas se senti supérieurs. Arrogance, avarice, nous sont bien antérieurs si l'on remonte. Des années auparavant, on se rend compte qu'on a dérapé au moment où sédentarisé. L'homme accapare les espaces, sédentarisé. Il se bat pour garder sa place, sédentarisé. Il prend plus que le nécessaire pour satisfaire ses besoins vitaux et saccager sa terre. C'est toujours, toujours amasser le pouvoir, que ce soit sous forme de terre, de pétrole, de dollars. Jamais, au grand jamais, ne laisser entrevoir un sentiment humain laissant une lueur d'espoir. C'est yeah, 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 yeah. Systématiquement, la réaction est celle qui privilégie l'argent, la supériorité et la haine. Historiquement, le constat est le même, la possession est la première. Bêtise humaine, c'est être pour avoir, posséder sans concéder, acquérir et ne devoir en aucun cas partager. À l'homme l'allégresse de voir son propre empire s'étendre, à l'homme toutes les richesses pour les voir réduire ensemble. C'est mépriser ceux qui n'ont pas se senti supérieurs. Arrogance, avarice, nous sont bien antérieurs si l'on remonte. Des années auparavant, on se rend compte qu'on a dérapé au moment où sédentarisé. L'homme accapare les espaces, sédentarisé. Il se bat pour garder sa place, sédentarisé. Il prend plus que le nécessaire pour satisfaire ses besoins vitaux et saccager sa terre. Toujours, toujours amasser le pouvoir, que ce soit sous forme de terre, de pétrole, de dollars. Jamais, au grand jamais, ne laisser entrevoir un sentiment humain laissant une lueur d'espoir. C'est yeah, 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 yeah. But welcome to the jungle. Pour l'encéphale, l'homme est un animal. Et quand j'y pense, nous ne sommes pas mal. Nous sommes la démence, possession matérielle ou possession mentale. La supériorité est une drogue pour l'encéphale. L'homme est un animal. Et quand j'y pense, nous ne sommes pas malades. Nous sommes la démence, possession matérielle ou possession mentale. La supériorité est une drogue pour l'encéphale. L'homme est un animal. Et quand j'y pense, nous ne sommes pas malades. Nous sommes la démence, possession matérielle ou possession mentale. La supériorité est une drogue pour l'encéphale. L'homme est un animal. Et quand j'y pense, nous ne sommes pas malades. Nous sommes la démence, nous disons non, non. Contre toute forme de possession, nous disons non, non. Contre toute domination, nous rejetons non. Toute forme de supériorité, nous disons non, non. Et nous gardons le poing levé, nous disons non, non. Contre toute forme de possession, nous disons non, non. Contre toute domination, nous rejetons non. Toute forme de supériorité, nous disons non, non. Et nous gardons le poing levé.